Oula! Oula, tous! Bon comeback, voyons voir si ça enregistre bien, ça enregistre bien, moi, sur 13! Envoyez les plongeurs, je veux savoir ce qui se passe. Pourquoi il est bloqué? Qui est bloqué? J'ai toujours pas de nouvelles armes. Hein, c'est quoi ça? J'ai un harpon? Oh putain, j'ai tellement envie de m'en servir, mais le truc c'est est-ce que je peux récupérer la balle? Ok, je. Hein, bah voilà, bah hop. Du coup, est-ce que je peux aller le récupérer? Non, je récupère pas mon harpon, en fait. Je l'ai ramassé, c'était pour la blague. Bah voilà, bah. J'ai tué quelqu'un au harpon. Ce sera peut-être le titre de la vidéo. D'ailleurs, ça commence à me donner quoi, mes heals? Oh putain, j'ai masse heal, en fait, je peux m'en servir, quoi. Bon bah, c'est que des petits. C'est des petits ou c'est des grands? Ah merde, je crois que c'est des grands en plus. Bon bah. Tu m'as vu, gamin? Pan! Ouais, il y en avait un autre là, il m'a vu aussi. C'est spotted. Autant faire du ménage. C'est moi ou il a sauté? Sérieux? Il a sauté? Bah, c'était très classe. Il n'y a pas moyen de sauter et s'accroupir directement derrière. Hein. Fallait pas te faire griller! Ah oui, en fait, il attendait dans un placard, le gars. Normal. Normal? Normal? J'ai l'impression qu'il y a un truc là-dessus. Pourquoi je peux pas grimper? Ça pue du cul. Pompe. Il va y avoir moyen de grimper. Déjà, avant que je parte, j'ai cru voir aussi un truc là. Bah vas-y, je vais déjà prendre ce. Oh bah voilà, je vais faire le tour. Toc, toc, nouveau harpon. Grenades. Kit. Explosion. Et c'est ça que je voulais à la base. Ok. C'était juste un harpon. Ah bah du coup, allons voir jusqu'au bout s'il y a des trucs intéressants à piller. Le pillage, c'est tabou. On en viendra tous à bout. C'est vrai que la dernière fois, je parlais aussi des attentats du 11 septembre et tout. Mais parce que les millennials ne pouvaient pas connaître ça. Mais en un sens, là, je suis en train de me dire, le Paris, tout ça, tous les bons films comme ça, est-ce qu'un jour ils vont les voir? Parce que, on va pas se mentir, moi j'avais beaucoup de mal avec, quand j'étais jeune, les films de l'époque. Parce que maintenant je me suis adapté aux films noir et blanc et tout. Il y a pas longtemps, j'ai regardé Elephant Man. Et je dois avouer qu'il était très beau. Faut dire ce qui est, il vaut le coup. Allez voir Elephant Man, en plus, surtout quand vous savez que c'est une histoire vraie. Et je pense que c'est pas un déguisement. Parce que le gars, il a réellement existé en fait, Elephant Man, et là, il parle pas de sa mort et tout. Donc je pense que c'est vraiment le personnage Elephant Man qui interprète le rôle, quoi. Donc très impressionnant, très bien tourné. Ouais, non, là, il me faut un sniper, il me faut quelque chose. Bon, j'aurais peut-être buté un. Ah, ça sent merdant, ça sent merdant. Aussi loin ça passe. Non, je l'aurais pas, je l'aurais pas. Bon, je vais essayer d'utiliser plutôt des tocs. Non, je les aurais pas. Faut que j'y aille. J'ai pas le choix, de toute façon, là, ils sont trop bien cachés. Voilà. Au moins, c'est réglé. Mais effectivement, le noir et blanc, la qualité graphique et tout, franchement, ça se rattrape, il n'y a pas de souci. Mais je savais que moi, à l'époque, et encore aujourd'hui, regarder un film muet, mais ça me fait tellement chier. Pour vous dire, j'ai regardé que des extraits de The Artist, je ne verrai jamais The Artist, parce que ça a l'air d'être une sombre merde en plus. Genre de truc encore qui a, comment dire, qui a fait un putain de tabac, hein, qui a été oscarisé et tout, donc peut-être que je me trompe, peut-être que il faut que je vous le conseille comme film, alors qu'il m'intéresse pas du tout. Mais il faut dire ce qui est. Tu me reçois? Je sors.
sors de l'aéroport à l'instant. C'est Carrington qui prend la relève. Il va te récupérer à la sortie du hangar 33. C'est le genre de truc qui a été oscarisé, mais des fois tu te demandes, est-ce qu'il a été oscarisé parce qu'il était bien? Ou est-ce qu'il a été oscarisé parce que ça faisait 60 ans qu'on n'avait pas vu de film noir et blanc et muet, et donc waouh, retour aux sources, quel génie, enfin un peu le coup de les modes d'hier deviennent les modes de demain, quoi. Je le cache pas, moi à la base je suis vraiment pas intéressé pour ce genre de film, quoi. Oh, doudoudoudou. Ah ok, comme ça, ok. Peut-être garder quand même mon dernier chargeur. En fait, ok, c'est ça, il va venir et il va repartir à chaque fois, ok. Mais voyez, ce genre de trucs que je critique sur certains films, comme Twilight, comme 50 nuances degrés, les trucs qui ont fait des tabacs parce que voilà, on leur a fait une pub mais totalement monstrueuse, alors que les films c'était de la grosse dope, quoi. Ich. Du coup, à partir de là-bas, j'irai où en fait? C'est une fois que je suis là-bas, je fais quoi? Je saute dans l'eau, je... Déjà, je peux peut-être aller là-bas s'il bascule. Ah, ok. 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 Il y en a qu'un. Donc, on va prendre celui-là. Ok. Oh, j'y suis. C'était un dû. Après, chacun, ces genres de films et tout. Moi, je sais que les films muets... ça m'intéresse, mais justement, quand on voit la qualité graphique, même en couleur de nos tout premiers films, du genre Le Paris, qui était très bien, mais qu'il faut dire ce qui est, hein, graphiquement, c'est un petit peu moche. Tu sens que t'as l'impression de revenir sur des films 480p, quoi. Le sous-marin pour couler le chargement. Bonne chance. Oui, et comment je fais ça? Fixer la charge sur l'hélice. Ok, donc on est d'accord. Je vais sauvegarder, mais apparemment faut aller dans l'eau. Allez. Moi j'entends, tu vas saboter l'hélice du sous-marin. Moi c'est. Allez, on tente. Oui. Ok. Mais c'est pour ça, il y avait plein de films cultes, mais est-ce qu'ils vont vraiment prendre le temps de les découvrir? Ok, c'est là-bas. Merde, j'ai raté une arbalète, ça c'est dommage. Je peux tirer même en nageant, ça c'est fort. Ah merde, j'avais un timer et je suis resté dans l'eau, je suis peut-être mort. J'étais assez loin. Parfait. D'ailleurs, le temps de récupérer mes balles, je vais commencer à me servir de mon harpon. Moi, s'il y a des balles qui sont un peu partout... Hein? Comment qu'on passe? Comment qu'on fait? Oh, faut certainement nager et retourner là-bas. Ah, ça, t'as quand même la pente, hein. On va essayer. Oh, de derrière. Ah, ok. Ah, ok. On se casse par là. Ok. Esquive. Attention, gouttelette d'eau. On a besoin d'oxygène. Et du coup, je vais faire quoi? Se mettre à l'abri. Ok. Bon, bah, je présume que pour se mettre à l'abri, il faut aller à l'endroit écrit en gros danger. Oh, ça, c'est faible. On va prendre un peu d'air. Oh! Heureusement, on arrive à se soigner sous l'eau aussi. Sous l'océan. Regarde tout ce qui est Disney et tout. Est-ce que les gosses vont aller découvrir les Disney? Voilà, on se casse. J'espère que j'ai accès d'oxygène.
L'oxygène ici, de l'oxygène ici. Ok, bah nickel. Mission accomplished. Oh, je sens que c'était le moment où fallait pas refaire un retour Windows. C'était juste pour regarder ça, 10 minutes. Ça va, ça va. Faut que je pense à faire des sauvegardes avant de faire des retours Windows. Personne qui me parle, sauvegarder, sauvegarder, ok. Ok. Et ça a pas l'air planté, c'est très bien. Qui sait, peut-être que les futures générations vont être du genre à tous connaître Aya Nakamura et pas un pour connaître Michael Jackson, les Bee Gees ou Queen, bordel. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a même plus réellement de musique de rock. Hein. On n'est pas en mode infiltration, hein, oui. Tu donnes des ordres, PD? Oh! Ah oui, c'est lui qui m'attire en premier, ok, hop. Hein, j'ai perdu mon harpon, j'ai... Putain! Il va pas trop donner des balles, mais il va pas t'hésiter à t'enlever des armes, hein. Quel petit PD! En fait, je crois que la meilleure génération où il aurait fait bon vivre, c'est plus ou moins la nôtre. Entre l'avancée technologique et tout, et les 30 glorieuses. C'est un mélange de tout, mais après, on en serait certainement arrivé au même problème qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, on aurait connu ça aussi, on aurait profité sans en avoir rien à foutre. Faut dire ce qui est. Bon, bah, je sais pas, levier. Musique! Rien à faire. Là-bas, personne qui arrive, personne. Ici, c'est pas, j'ai l'impression qu'il faut faire quelque chose en plus. Non, non, non. Oh, mais je sais pas, je sais pas. Ah! Non, mais ça, c'est pas cool, ça. Putain, des petits sauts de merde à la con. Je sais pas combien de vies j'ai encore perdu, mais. Ça a dû piquer aux fesses! Et où sont passés les Maccabées et leurs armes? Hein? Il y avait un kit là-bas, ça j'avais vu au loin, ça c'est sûr. Même pas un kit, c'est des munitions. Oh, ça c'est intéressant par contre. Oh! Non! Alors là, est-ce que je vais réussir à passer une double... Oh là là, il est comme moi en plus. Double grille. Allez, je suis meilleur tireur que toi. Donc là-bas, il doit y avoir un grappin. Ok. Oh, quelques petites balles. C'est appréciable. Oups! Oh, ça c'est du ménage! J'espère que j'en avais pas besoin du véhicule. Hein. On fait un petit tour à l'extérieur et on va revoir ce crochet à tous les coups, ça va être ça. Appelez-moi le capitaine Crochet. Dès que je vois un crochet, je fais le fou. Regardez ça. Un crochet? Oui! Ah, ça aurait été marrant ça. Parce que je peux pas dire. Ah si, ça passe. Oh là là, je suis pas sûr que ce soit légal, ça. Ça doit pas être approuvé. Allez, tiens, décale-toi un peu. Et du coup, il faut que j'aille... Il y a des autres crochets là-bas, très bien. Ouch. Ouch. Oh, c'était juste. Oh, mets-le-moi, oui. Je peux atteindre celui là-bas direct? Non, non, je sais pas. Là, c'est vraiment, je suis décroché sans savoir où je vais. Hein.
Je vous le cache pas. Mais non, mais remets-moi ce putain de grappin et enlève-le. Voilà. Oh. Oh. Tu peux me casser celui là-bas, je sais pas. Non, ou pas. Ouais. Si je fais pas trop le con, ça doit être celui-là. Et je me balance. Allez mon gars, on y croit. Non, c'est parce que j'appuie pas sur le bouton. Merde, 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 merde. Remonte, remonte, remonte. Ah, ah, je fais vraiment du brin là. Non, remonte. On va y arriver. Et le haut en bas et le bas. À gauche et le poup, je sais plus et ni que ça, ma maman. Voilà. On avance, les amis, on avance. Le pire, c'est que je vais aller là-bas, ça tombe, il fallait activer un truc avant et. Oh! Bon, je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais en tout cas, il y a de la roquette. C'est toujours ça votre prix. Huch, huch, huch. Et tu danses le wouch, wouch, wouch. Et du coup, je fais quoi maintenant? Une fois ici, c'est baisé, j'ai juste à partir. Le gars, il coupe son truc comme ça, il est cinglé. J'atteins le sol. J'atteins le sol, ça devrait aller. Huch! Huch! Bon, ben, j'ai récupéré un bazooka, est-ce qu'on doit aller par là? Hop, 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 à travers les vitres, ça passe? Bah, on le saura pas. Alors, oh, esquive! Ninja! Je m'en sers jamais de mes grenades, en fait, j'en ai, mais. Ouais, juste parce qu'il faut s'en servir un peu. Y'a quelqu'un par ici! Elle est par là aussi, au cas où, on sait jamais. Ceci est une grenade d'avertissement. C'est un peu violent comme avertissement, mais c'en est un. J'avoue que je préfère les grenades au fusil d'assaut. Tum tum tum. N'aime pas peur. Oh lolo, oh lolo. Où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fait? Oh lolo. Ok, faut que j'aille là-bas. Kill Extérix me suit l'escalier. Oh, même pas un petit. J'aurais pensé à un petit point de contrôle. Un grand saut. Toc toc. Oh, le triplette! Ça sent bien. Mais on va aller en haut, je sens qu'il y a une autre armée qui arrive par en haut. Oh! Entre les deux, ça passe. Oh, ça a passé! Le talent, messieurs, dames! Bon allez, essaye de pas te casser la gueule. Putain, 10 HP pour ça. Le pire, c'est que tu vois l'accident venir, tu le sais. Oh. J'avoue, si ça me donne ça, c'est pas normal. J'ai d'autres munitions derrière? Ok, ok. Moi je fais le plein, je sais pas ce qui va. Là je vais me prendre quelque chose sur la gueule. J'ai pas mal à lancer des roquettes. J'allais dire est-ce que je prends tout de suite le gilet ou pas, mais on va prendre les roquettes. Rookie to jump! Là, ça me fait penser à chaque fois, je dis il faudra que je me remate les One Piece, ça fait longtemps. Enfin que je me remate. Je vais avoir au moins 25 épisodes de retard maintenant.
Non, ça me fallait trop lentement. Putain, en fait, c'est vraiment en mode arme lourde. Normalement, c'est le moment où je me fais attaque, non? Bon, bah. Carte magnétique, hein. Et on se fera moins de dégâts en sautant d'ici que. Et je vais en faire quoi de ma carte magnétique en fait? Ça fait un peu local quand même où tu peux utiliser ta carte, non? Ah merde alors. Ok. Parce que je pourrais pas ressortir de toute façon par là où je suis rentré, bah non. Donc à partir de ça. Oui, c'était là-bas. Ou c'est une carte magnétique pour l'hélico? C'est jamais. Oh tiens, j'avais pas vu cette porte. Ah bah voilà, carte magnétique, merci. Yush! Il y a de l'hélico qui veut de la bagarre, il y a de l'hélico qui veut de la bagarre. Planque-toi, planque-toi, planque-toi. Bon, déjà, j'espère au moins qu'on peut l'exécuter. Toc, toc, tiens, prends-en une aussi. Boum! Et pose-toi. Voilà, c'est en fait Sacha qui va me tirer une roquette. Faut tirer et alterner. Bon, ça va pas être très compliqué, faut dire ce qui est. Ah, moi aussi je peux le faire. J'ai pas touch. Je pense pas que j'ai touch. Toc toc. Eh ben, on voit un professionnel de l'hélicoptère. Comme vous pouvez le voir, ses mouvements. Ne peuvent être anticipés. Bon là, j'avoue, il y a un petit retour dans les années d'époque en mode scriptage. Hein. Hop, hop. T'as trouvé le pattern, t'as gagné. Après, je fais le malin, mais. Et. Avec ça. Si je tire dessus, ce serait peut-être mieux. Oh, qu'est-ce que je fais? Si je m'accroupis, est-ce que ça touche un peu mieux? J'ai l'impression que ça touche pas du tout. Ça, c'est. Il faudrait d'autres roquettes, à mon avis. Bon. Hop, on va reprendre un peu de vie. On va recharger et on va aller à la chasse au. Oh, quoique. Non, sa vie a bien baissé. Hein. Si j'y vais au gun. C'est précis. Ça passe? Ah, oh, ça va être un peu. Ouais, non. Ah bah voilà, c'est ce qu'il fallait, c'est réglé. Trois roquettes, c'est plus qu'il n'en fallait. Toc. La merde, j'ai pas touché. Toc. Allez, fixe-toi, toc. Et voilà, kaboum! Non, je veux le voir se crasher! Ha. Baboum, baboum, Wakatepe baboum. Bon, bah, non, oui, si j'en ai, oui, ok, j'aime bien la distance, et le one shot. J'aime le one shot. Eh ben, c'était prévu vraiment pour ça, hein. Toc, bah voilà. Rocket Max. LOL. Oups. Ah merde, alors j'ai des petits renvois. Quoique. C'est vrai que j'ai les bombes aussi avec ça. Hein. C'est vrai que là je suis. Ah ouais, mais ça me fait ralentir. J'allais dire, je suis déjà plein, mais. En fait, c'était la pièce à trouver si jamais j'avais plus de roquettes, c'est ça? C'est. Mmh.
Pas de chemin, rien. Ok. Non, bah. Non. Eh ben, j'aurais vu. Je suis vu, j'avais pas vu. Toc, quelque chose de planqué là-haut. Faut bien vous dire que dans des jeux comme ça, souvent, on vous met pas un escalier pour rien. Bon, allez, on se casse. On va retourner voir notre ami l'hélico. Il doit y avoir quelque chose là-bas. Bonjour! Eh ben, heureusement que je venais de refaire mon stock. Bon, ben. Ouais, je peux pas la ressortir de toute façon. Ah, lentement. Ouais, oui, c'est vrai, lentement. Tap, 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 tap. D'après le général Carrington, vous auriez un cadeau pour moi. Ta dignité? Remplis le dossier de Roland, fils. Ah, j'ai. Rajoute deux putes! Bah, prends-le, qu'est-ce que je dis? Nous, le dossier Roland, tu veux mon dossier? Quand je pense que c'est un vrai prénom, en plus, Roland. Rolanda. Oui. Bah, vu qu'on n'a pas de son, je vous fais les bruitages. Non mais ça va, j'étais tombé sur des vidéos, bon là ça a l'air d'être un peu mieux que d'habitude quand même, un peu plus long, mais justement j'étais allé rechercher sur internet pour voir un moment pour pouvoir expliquer ce qui se passait dans ces vidéos. Il y a des vidéos parfois de 30 secondes, si t'as, même 45 secondes, si t'avais deux phrases d'échanger, c'était vraiment ambiance musicale, regarde, là voilà, il doit y avoir un petit règlement de compte, ça a l'air d'être le moment... Mais merde! Pourquoi moi on me dit rien? Pourquoi on me raconte rien? Vous auriez pas pu les sous-titrer au pire? Ah, j'aurais dû aller voir dans les options, je suis con, bah oui. Ça tombe, il y a moyen de les sous-titrer les vidéos. Bah tiens, pour l'avenir, on sait jamais. Pour les vidéos suivantes, si on peut, on va aller jeter quand même un coup d'œil. De toute façon, là je présume que c'est la fin de la vidéo. Contrôle. Option vue, il n'y a pas autre option, option cinématique, non, il n'y a pas. Non, ça doit être dans le menu principal que j'avais vu ça. Alors, supprimer les gardes sans donner l'air, ça... Ok, et espionner la réunion depuis la chambre 41. Ça pue l'infiltration! Et je sens que je vais rager dans le prochain épisode! En attendant, vous savez quoi faire. Des bisous, à bientôt, ciao ciao!